Hello les amis, j'espère que ça va. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ma collection de palettes. Oh, voilà, je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait et vous avez été 100% de répondre oui. Donc je m'exécute comme d'habitude. Je vais commencer avec Makeup Revolution et donc bien sûr avec cette palette, ce qui est la palette by Petra, donc Revolution by Petra. Je ne sais toujours pas qui est Petra, il faudrait que j'aille me renseigner. Ce make-up fait partie des 5 looks que je vous ai fait avec cette palette, donc je vous la mets dans le petit i. Dans le petit, je vous mets également la playlist des Get Ready With Me avec une palette. Voilà, il faudrait que je la continue un peu parce que j'ai arrêté d'en faire vu que j'étais occupée avec les 5 looks là, mais voilà. Donc, cette palette se présente comme ceci, donc vous avez 36 fards, que je vous dise pas de bêtises, je vérifie. Ouais. 36 fards et voilà, je pense que c'est une de mes palettes préférées de cette marque là. Elle est juste trop bien, les fards sont bien pigmentés, ils sont pas trop poudreux, ils s'estompent bien. Le seul petit bémol, je dirais que c'est le rouge ici qui ne ressemble plus à un rouge une fois porté, puisque c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Mais voilà, il y a beaucoup 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 de possibilités avec cette palette et elle ne coûte que 12 €. Donc foncez. Foncez, si vous voulez une bonne palette que vous ne savez pas laquelle acheter, achetez celle-ci. Donc, toujours de chez Makeup Revolution, je vais vous montrer la plus ancienne que j'ai pour l'instant, c'est la Flawless. Donc voilà, c'est simple packaging, je crois qu'il a été reconditionné, packaging, je ne suis pas sûre. Ou en tout cas, ils ont sorti des autres Flawless. Moi, c'est la toute première qui était sortie, avec des tout petits fards comme ça. Mais j'adore les couleurs qui sont dedans. Je vais mettre le miroir comme ça pour ne pas vous éblouir. Vous avez 32 fards dedans. Et je sais plus, je crois qu'elle coûtait 8 € si ma mémoire est bonne. Et c'est bon, là c'est plus du nude. Hein. Vous avez dedans un kaki, un bleu nuit, un bordeaux. Mais sinon, ça reste de nude. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de possibilités avec cette palette. Ensuite, j'ai là, donc là c'est la gamme I Love, hein, I Love Revolution. Donc c'est la Dragon Heart qui se présente comme ceci. C'est un cadeau d'anniversaire de la part de mon frère et je n'ai pas encore utilisé cette palette. Donc il n'y a pas de miroir, mais voilà, les couleurs sont juste magnifiques. Vous avez dans les tons rouge, doré, du mauve, il y a un noir, il y a un beige. Après, elles sont toutes pas mal satinées, je dirais, à part peut-être le noir ici et le marron ici. Le reste est satiné, voire pailleté, voire métallisé. Et vous avez 12 fards à l'intérieur, donc il en existe deux autres que je n'ai pas. Je vais essayer de vous trouver un visuel, c'est la Mermaid et la Unicorn. Ensuite j'en ai deux de cette gamme-ci, donc c'est les Reloaded, hein, Reload. Que, voilà, j'aime beaucoup ces palettes, il y en a trois autres que j'attends. Donc j'attends, j'ai commandé mais alors j'ai un problème de commande. En fait mon paiement PayPal est passé, mais Revolution n'a aucune trace de ma commande. Donc je ne sais pas, je suis en train de communiquer avec eux par mail, avec Google Traduction bien sûr, pour essayer de savoir ce qui se passe et qui me livre au plus vite ma commande, parce qu'il y a des trucs que j'ai hâte de recevoir, dont les Hibiston, donc vous le verrez dans mon haul, je vous le remets ici dans le petit i, j'en avais commandé deux, il me reste trois teintes que j'ai pas et je vais commander les trois et vous faire avec les cinq couleurs, cinq façons de les utiliser, mais maintenant il faut que je les reçoive. Donc j'ai commandé trois autres palettes de la même gamme, j'ai commandé celle-ci, qui est la dupe de la Soft Glam de chez Anastasia. Celle-ci qui est la dupe de la Norvina de chez Anastasia. Et celle-ci pour faire des liners colorés, un peu peps, avec le mixing medium. Donc ça c'est une autre vidéo qui viendra plus tard. J'ai acheté cette palette-là juste pour pouvoir faire des liners grâce à mes fards. Donc ici j'ai d'abord la Iconic Division qui est la dupe de la Subculture de chez Anastasia. Je vais vous l'ouvrir pour pas que vous soyez éblouis avec mes éclairages de malade. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est juste magnifique. Moi je suis juste hyper déçue par ce verre là. Voilà, j'ai fait un make-up avec que j'essaye de vous remettre ici au-dessus. Après je vais plus avoir assez de place. Donc ce que j'ai plus assez de place pour mettre dans le i, je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, il est vraiment pas pigmenté chez moi. Je sais pas si c'est un défaut. Là il paraît bien lumineux, mais voilà, je viens de le swatcher ici. Il n'y a rien quoi. A mon avis, j'ai eu une défectueuse parce que Indy l'a utilisé en comparaison avec la Subculture et elle n'a pas eu ce problème là
Avec ce fard là, moi on voit plus que quelques paillettes sur ma main. Je suis hyper déçue par cette couleur là parce que c'était celle qui m'intéressait le plus. Mais les autres couleurs sont super bien pigmentées. Et la deuxième que j'ai pour l'instant, et je pense que c'est ma préférée de cette gamme là, après la Petra, c'est ma préférée chez Make Up Revolution. Donc ici c'est la Neutral 3, donc qui est vraiment un neutre mais dans les tons chauds, elle est juste magnifique. Et voilà, vous pouvez aussi faire énormément de make-up avec ce genre de palette. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment les couleurs qu'à ce moment, en ce moment, on n'entend parler que de ça. Ensuite, j'ai des petites palettes de chez Sephora. Donc j'avais eu, c'est une collection de Noël. Donc c'était celle-ci qui s'ouvre comme ça. Donc j'ai celle-ci tout simplement. Vous avez 8 petits fards à l'intérieur. Elle est très jolie, moi je trouve. Et puis bon, c'est que du nude, hein, voilà, on ne reste pas... Mais la couleur... Toasted Almond, la amande grillée, et elle est juste magnifique. Donc c'était un cadeau que j'avais reçu à Noël. Et de la même collection, j'ai eu celle-ci. Donc pareil, là vous avez par contre 6 fards, un blush et 2 highlighters. Donc elle est très 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 jolie aussi. Et toujours dans la même collection, il y avait 4 petites palettes comme ceci. Moi j'en ai gardé que 2 parce que les autres c'était des couleurs qui ne m'intéressaient pas. Donc j'ai gardé la Paris, alors j'adore les packaging, hein. J'ai gardé la Paris et la New York, voilà, il y avait aussi la Rio et on ne sait plus. Donc celle-ci c'est plus dans les tons noirs, donc vous avez à chaque fois 4 fards et un blush, c'est vraiment pour un smoky celui-ci, cette palette est juste parfaite. Et dans la New York, donc c'est un peu plus soft, mais vous avez pareil tout ce qu'il faut pour faire un beau make-up, et cette teinte ici, la Hot Mocha, j'adore. Chez Sleek, je n'ai gardé que 3 palettes. Voilà, j'ai fait un grand tri dans mes palettes et j'ai gardé que celles que j'utilisais plus ou moins souvent. Donc j'ai d'abord gardé la Osso Special, qui est comme ceci. Donc ici, vous avez 2, 4, 6, vous avez toujours 12 fards chez eux aussi. Et voilà, c'est dans les tons nude. Moi, je la trouve très jolie. Je m'en suis servi vraiment beaucoup pendant tout un temps. Il faudrait que je la ressorte un petit peu, mais je l'aime beaucoup. J'ai gardé la Lagoon parce que c'est des couleurs un peu plus peps et ça j'en ai pas des masses. Voilà, elle tire plus sur le bleu. Dedans vous avez un superbe corail. Il y a un super couleur mint ici que j'aime beaucoup. J'avais fait un make-up il y a très longtemps marron avec juste le coin interne en mint, comme ça c'était trop beau. Et enfin j'ai gardé la Eye Candy qui est donc un peu plus peps. Alors, le vernis ici il est juste magnifique. C'est vraiment des très belles couleurs. Les fards, on ne le voit pas comme ça, mais ils sont quand même pas mal creusés tellement je les ai utilisés. Mais bon, c'est plus des palettes à utiliser en été, printemps, été. Voilà, c'est plus des couleurs peps. Donc, chez Too Faced, j'ai 2 chocolate pairs. Enfin, j'en ai 3. Mais j'ai la classique, la première qui est sortie. Et la... Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? La semi-suite. Voilà, je les aime beaucoup aussi, ces palettes. Donc, toujours le même principe de fard, hein, si vous les connaissez. Ça reste dans le nude, mais j'aime beaucoup. Vous avez toujours une couleur qui sort un peu plus de l'ordinaire. Ici, vous avez le mauve. Et dans la semi-suite, vous avez le bleu Body Swirl ici, qui est juste magnifique. Voilà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup et c'est des palettes que je ne peux pas me séparer. Dans la même gamme, j'ai aussi la Sweet Peach. Donc, c'est pas celle que je préfère. Enfin, quoique, les couleurs sont super belles. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisée celle-ci, mais j'aime vraiment bien. Elle est aussi dans les teintes un peu plus chaud. Et voilà. Bon, je suppose que vous les connaissez. Ensuite, j'ai donc les 3 petites palettes comme ça. C'était les palettes du grand palais qui était il y a quelques années en arrière. Je ne sais plus quelle année. Donc vous avez d'abord celui-ci. Je vais essayer de les ouvrir entières. Voilà. Donc à chaque fois, vous avez un blush, celui-ci me fait plus penser à un bronzer parce qu'il est vraiment très foncé, très bronze, avec 6 couleurs. Et à chaque fois, vous avez tout pour faire un make-up et c'est des très 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 jolies couleurs. Donc la rose, c'est celle-ci. Vous avez la même en noir. Donc là, le blush est plus un blush. Hein. Et là, on est plus dans les tons rose mauve. Et vous avez donc la verte qui est dans cette teinte-ci. Donc celle-ci, elle est bien pour les fêtes aussi parce que le doré et le noir ici avec les paillettes dorées comme ça, vraiment pour les fêtes, c'est super beau. Et le blush est super beau aussi. Toujours chez Too Faced, donc à part les chocolate bars, moi il me reste 2 collections de Noël. Donc j'ai la Everything Nice, c'est celle-ci.
Je l'aime beaucoup, je m'en sers très souvent de cette palette-là. Donc vous avez d'un côté bronzer, highlighter et blush. Chocolat de soleil, c'est celui que j'utilise souvent. Et de l'autre côté, vous avez donc les fards, et ce sont des fards vraiment magnifiques. Mon préféré, c'est le Girly ici, qui est un duochrome. J'adore, j'adore, j'adore. Le Marvelous ici, aussi, j'aime beaucoup. Et ensuite, vous avez le Grand Palais. Ouais, les autres, c'était Grand Château, celui-ci, c'est le Grand Palais. Donc les packagings sont toujours topissimes, hein, c'est vraiment magnifique. Bien que dans celle-ci manque un miroir. Et voilà, vous avez trois highlighters au-dessus et vous avez les fards en dessous. Ah oui, vous avez deux blushs ici, un highlighter, un bronzer, qui là est le Sun Bunny, donc celui-ci il est irisé. Hein. Vous avez 15 fards. Et voilà, ici j'adore celui-ci, le mauve, il est juste trop beau. Celui-ci aussi pour le coin interne, il est magnifique. Enfin voilà, Too Faced. Après, pour moi c'était une valeur sûre, ça n'est plus autant qu'avant. Moi je trouve qu'ils sortent maintenant collection sur collection, juste pour sortir des collections. Et du coup, je trouve qu'on y perd un petit peu en qualité. Mais voilà quoi. Alors, Urban Decay a été un de mes premiers amours. Et bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter les 3 Naked. Voilà. Après, je n'en ai plus acheté. J'ai plus acheté de palettes depuis très longtemps, à part celle de chez Revolution. Sinon, les palettes dans ces marques-là, j'en ai plus acheté depuis très longtemps. Parce que je trouve que, pareil, la qualité est un peu plus aux dépens maintenant de la quantité. Donc, je ne sais pas si je suis toute seule à avoir cette impression-là, mais bah, dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose que moi. Donc la Naked 1, on ne la présente plus. Forcément, vous ne savez plus la retrouver parce que je crois qu'elle a été discontinuée. Mais les Naked, c'est aussi des valeurs sûres. Hein, je veux dire, si vous aimez le nude et que vous aimez vous maquiller, vous ne pouvez pas regretter de tels achats, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé fut un temps. La 2, voilà, qui est dans les tons un peu plus froids, mais qui est tout aussi jolie. Et la 3, qui est dans les tons un peu plus rosés. Que j'ai beaucoup moins utilisé, je dois l'avouer, mais je pense que je vais bientôt me remaquiller avec. Je ferai certainement un Get Ready With Me avec. Non, pas longtemps. Bien sûr, j'ai les vis, donc j'ai pareil, la 1, la 2 et la 3. Donc je vais vous les montrer dans l'ordre. La vis 1, donc là vous avez un make-up dans la playlist des Get Ready With Me. Je l'ai utilisé une fois. Donc voilà les couleurs. Maintenant, je pense que c'est des palettes qu'on ne peut plus trouver non plus. Maintenant, c'est comme j'ai dit dans une dernière vidéo que j'ai faite. Je pense que je vais bientôt pouvoir les jeter, que ce soit les 3 vis. Parce que j'ai l'impression que les fards ont séché et qu'ils sont beaucoup moins pigmentés qu'avant. Ou alors c'est parce que je ne me souvenais plus de la qualité de chez eux avant. La vis 2 qui est comme ceci. Voilà. Donc je ne les pilote pas pendant 2 heures, hein, sinon ça va... Surtout que je ne peux plus les retrouver. Donc, Et la vis 3, donc celle-ci était comme ça. D'ailleurs je l'avais fait gagner dans un concours. Le reste de chez Urban Decay, alors j'ai des palettes que je ne me sers absolument jamais. Comme celle-ci, bon, c'était mon mari qui l'avait trouvée dans les soldes une fois chez Sephora. Donc celle-là, je ne sais plus comment elle s'appelle, Glamour Boost je crois. Donc avec le petit système de tirettes. Et dedans vous avez un petit miroir et vous avez 6 fards. Il y avait une mini primer poche. Non, c'était un mini gloss qu'il y avait dedans. Après je l'avais pris parce que j'aimais beaucoup les couleurs, mais je l'ai utilisé une ou deux fois je crois. D'ailleurs j'ai dit à ma nièce que je la gardais pour elle quand son père l'autorisera à se maquiller. J'ai la Naked on the Run, donc pareil, je ne m'en sers absolument jamais. Mais je ne sais pas m'en séparer. Donc vous aviez un grand miroir, c'est vrai qu'elle était pratique pour ceux qui voyagent. Vous aviez un mascara, un crayon et un rouge à lèvres dedans. Vous avez bronzer, blush et highlighter et vous avez 5 fards pour faire un make-up. Ouais, je vais dire complet quand même, parce que si vous mixez en plus l'highlighter et le bronzer, vous savez faire un beau make-up. Mais je l'utilise absolument jamais, j'ai dû l'utiliser une ou deux fois au début que j'avais. Pareil que celle-ci, donc ici c'était le Shattered Face Case et je ne m'en suis pas servi non plus. J'ai dû faire un ou deux make-up avec et puis je m'en suis plus jamais servi. Donc pareil, vous aviez un crayon, un mascara, vous avez 5 fards dans les tons. Enfin, vous avez un mauve, un gris, un taupe, un rose irisé et un beige. Et de l'autre côté, vous avez pour le teint, si j'arrive à l'ouvrir. C'est vraiment une merde à ouvrir en plus, ce truc-là.
Voilà, donc vous avez à chaque fois un miroir de chaque côté et vous avez blush, bronzer et highlighter, voilà. Comme Urban Decay aime bien le faire. Et la dernière, c'est la Great Powerful, donc qui était de la collection de chez Oz, enfin du film Oz. Il y en avait deux, il y avait la Theodora et la Glinda. Moi, j'ai la Glinda. Donc avec un super bon miroir et les 6 fards. 7, 8, d'ailleurs si vous comptez les deux qui sont séparés en deux, mais il n'y a rien de bien fantastique. Il n'y a vraiment que cette couleur là qui est la Tornado, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est la Tornado, elle est vraiment sublime cette couleur. Et celle-ci qui est la South. Mais bon, c'est pareil, c'est une palette que j'utilise absolument jamais. Donc j'utiliserai dans un Get Ready With Me pour l'utiliser, parce qu'il faut quand même que j'utilise un peu mes petites trouvailles. Donc pour terminer dans les marques un peu toutes marques confondues, puisque je n'ai qu'un exemplaire de chaque marque, j'ai de chez BH Cosmetics, j'ai gardé la Smoky Eyes 28 Colors et Shadow Palette. Voilà, c'est pas négligeable parce que je trouve que c'est quand même des grands fards de très bonne qualité. Et voilà à quoi elles ressemblent quoi. Donc cette palette là par contre je l'ai beaucoup utilisée parce que ça fait vraiment partie de mes préférées. Ensuite j'ai la NYX, celle de chez de l'édition limitée Dark Shadow, donc du film hein, Dark Shadow. Voilà, je voulais absolument une palette NYX parce que je n'en avais pas. Donc c'est un système de livres. Hop. Ici vous avez un miroir, vous avez les fards. Donc vous en avez 4, 8, 12, 24 fards, donc c'est pas négligeable non plus, elle n'était pas super chère. Après c'est pas une pigmentation de foufou comparé à ce que NYX peut faire maintenant. Je pense notamment à ce genre de palette là qui me plaît beaucoup. Et de l'autre côté, alors vous aviez des explications pour reproduire le maquillage et des trois filles du film qui sert à rien. Dedans vous aviez une mini base à paupières et un mini liner. Ici, vous avez 4 rouges à lèvres que j'ai absolument jamais utilisés. Vous avez un highlighter et vous avez 5 blushs. Donc, elle est quand même pas mal complète. Après, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas une pigmentation de foufou, quoi. Et enfin, on en arrive à mon top 3 des palettes. Voilà, je voulais les garder pour la fin parce que c'est les palettes que j'utilise le plus. D'abord, la Lorac Pro. Voilà, je pense que je vous ai assez bassiné avec cette palette parce que je vous ai fait un tag. Je vous remets dans le petit i ou en barre d'infos suivant la place que j'ai. Oui, j'avais envie de faire un tag. Voilà. Et franchement, jusqu'à ce que je découvre celle qui sera dans mon top, enfin qui sera première sur mon top 3, j'aurais encore dit la Lorac parce que je n'utilise absolument que celle-ci et la deuxième que je vais vous présenter. Donc miroir et les fards. Donc mat au-dessus, irisé en dessous. On ne la présente plus. Les fards sont bien creusés, tellement je l'utilise souvent. Mais j'adore cette palette quoi. En deuxième position, nous allons retrouver la Warm Lights de Elsa Makeup, que j'adore. J'adore cette palette, elle a vécu, hein, ma peau. Donc, le grand miroir, et vous avez ici, vous avez 15 fards, mais alors ils sont pas petits, hein, ils sont plutôt même grands. Vous avez un blush et un highlighter. Le seul truc, moi, c'est que le blush est irisé, je l'aime bien, mais sans plus. Mais alors, les couleurs, j'adore. Et enfin, pour terminer, comme vous pouvez vous en douter, ça sera Toulou, la New Tool de Huda Beauty. Je vous ai fait un crash test que je vous remets encore dans le petit ou en barre d'infos. Donc vous avez le grand miroir et vous avez les couleurs. Je vais la tourner dans l'autre sens. Voilà, c'est juste une palette méga géniale. Moi, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, je l'ai utilisé qu'une fois puisque j'attends si vous voulez... que je vous fasse 5 make-up avec, donc j'attends de voir, mais j'ai vraiment hâte de la prendre plus en main parce que j'ai trouvé que la pigmentation était ouf, que les fards ont une bonne tenue, ils s'estompent très bien, ils ont une bonne application, enfin vraiment elle est géniale. Le seul bémol, comme je dis dans le crash test, c'est le fard ici, que c'est un peu dommage qu'elle ait mis un concealer dedans. Voilà, elle aurait mis un autre fard, ça aurait été beaucoup plus sympa de ne pas perdre un fard pour un truc qui ne fonctionne pas du tout. Donc moi je voulais l'utiliser en base pour le vider rapidement pour éviter que les paillettes aillent se coller dedans, mais
c'est pas possible parce que même en base ça tient pas, donc c'est dommage, mais elle est juste magnifique. Magnifique, magnifique, j'adore. Et la couleur, juste ici, là, tickle, là, tickle. Oh, mon Dieu, cette couleur, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je pense que c'est ma couleur préférée de la palette. La lace aussi, elle est pas dégueu. Enfin, elles sont toutes belles. Donc, c'est du nude, voilà. C'est la nouvelle, pour elle, c'est ce qui représente le nude. Et je dois dire que, même sur les peaux foncées, ça marque d'enfer, donc c'est juste génial. Après, le petit bémol, c'est le prix. Mais j'ai pas encore trouvé de dupe à vous proposer, donc je suis désolée. Donc voilà ce qui conclut ma collection de palettes. Donc j'en ai à peu près une trentaine, je pense. Je les ai pas comptées. On va les compter. Hein. J'en ai à peu près 34-35, plus les trois autres qui doivent arriver. Donc voilà. Après, on est accro au make-up ou on ne l'est pas. Hein. Mais à coup pas. Bref, voilà ce qui conclut donc cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout qu'elle ne sera pas trop longue. Et ben moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.